pour me arriver cerner 7 février, j'étais obligé à dans témoignage et puis à lire. Parce que il y a un problème que nous avons actuellement dans le pays, nous avons un problème de mémoire. Nous avons un jeune qui parle du tout. Il n'y a pas comme ça qui a passé. Et à un certain moment même, il y a des réponses qui sont très vulgaires que nous avons bâillé. Le WAP expliqué certains événements. Il a dit, ah, est-ce que tu es là? Bon, c'est vulgaire, c'est de la banalité. Grave. Donc, je n'ai pas besoin d'être là pour me situer événement avec vous. Alors, 7 février lui-même, c'est son rupture que lié, c'est ça qui fait que lui paraît comme tu l'as dit, comme on date mythique, son rupture que ou sorti d'une longue nuit dictatoriale, si c'est de cauchemar traumatisant également. Ça veut dire c'est pas une dictature comme si comme ça, c'était une dictature féroce, sanguinaire et qui gon côté le sorti tout parce que 50% monde qui était fait 7 février yo, il était fait 57 tout. Ça veut dire il était participé, soit il était dans camp de joie ou bien il était dans camp du Valier. Par exemple, Leslie Maniga, par exemple, c'est dans camp du Valier, il était dans camp avec 57. Oui, dans camp avec du Valier. Il parle de dans monde qui pral faire 7 février 86 tout, même là il était en exil, ça veut dire il était fait contribution pa yo. Gérard Pierre Charles par exemple, c'est dans camp du Valier et qui ça fait moun ça tout est dans camp du Valier dans l'élection 57 là, il pas dans camp des joies. C'est parce que Duvalier gon côté le sorti qui s'est produit révolution 1946 là qui gagnait qui t'a prôné yon bagay, yon ensemble de revendications que monsieur Sayo là yo vinn jeune petit garçon yo gen yo qui était dans philo gen yo qui était déjà entré dans l'université en Europe etc. et yo vite comprendre que côté Duvalier sorti en dans révolution 46 là. Maintenant, il t'a supposé porter changement véritable que le pays a attendu. Par exemple, il y a un homme qui sorti dans la révolution en 1946 et estimé ses produits 46 liés et toute réalisation estimée sorti dans le cahier de revendication, cahier de charge de révolution 46. Et c'est ça qui fait qu'on série de monde qui était in dans Duvalier. C'est pas parce que il était estimé Duvalier était gagné suffisamment d'expérience et de formation académique solide pour te mener pays à bon port non, mais par contre il était sorti yon côté en dans un mouvance revendicative et bien il était rete quoi que Duvalier était capable de faire mieux et voilà de 57 alors, à 60 61 à l'époque. Oui, Louis Desjoies c'était alors c'est pas lui déjà seulement en face c'était principal concurrent. Et de 57 à 61 le Duvalier mandat a fini en 61 et Duvalier pas décidé organiser élection pour le quitter pouvoir là et lui décidé mettre tête li à vie et l'écraser la chambre, l'écraser le Sénat de la République qui c'est une institution fondatrice de l'État, lui quitter seulement la chambre des députés et qui composait exclusivement des duvalieristes donc sans discussion, sans débat. OK, 64, lui pour changer et couleur drapeau, donc nous passer de bleu et rouge à noir et rouge, il changer constitution en tout, évidemment, il établit la dictature féroce sanguinaire et qui pral mener Maniga en exil, Gérard Pierre Charles, des hommes comme des Ronceret, tout le monde sait qu'il y a des grosses difficultés, il y a des théodores pour fonctionner dans le pays.